On fait de rencontre en rencontre. Et là, on vient de croiser une nouvelle personnalité du paddock, puisque Fanny, qui est donc avec nous, est présente sur les circuits d'endurance et notamment des 24 heures du Mans depuis de nombreuses années. Et en plus, elle a la particularité d'être sartoise. Alors Fanny, quel est votre rôle au sein de cette écurie américaine qui débarque cette année? Donc en fait, je les aide au niveau de la coordination tous les jours avec la CO. Donc je suis leur point de contact. Et évidemment, la traduction aussi de l'anglais, français, français-anglais. Donc ça, c'est mon gros point pour eux. Donc voilà quoi. Alors c'est combien de personnes? Comment s'est organisé justement le déplacement depuis les États-Unis, puisque cette voiture NASCAR, en l'occurrence, vient pour la première fois ici? Donc en fait, c'est eux qui ont tout géré leur logistique. Donc ils sont à peu près en équipe. Ils sont à peu près 25 personnes. Et c'est eux qui se sont organisés avec des entreprises allemandes, anglaises, pour venir ici, faire tout arriver. Et ils se sont super bien débrouillés. Pour une équipe, pour la première fois, chapeau quoi. Et la voiture, elle est magnifique. C'est excellent. Je suis très contente d'être avec eux. Voilà 20 ans, au moins une vingtaine d'années que vous parcourez le monde et notamment les 24 heures du Mans, puisque vous êtes aussi chez vous. Comment sont perçues justement les 24 heures du Mans depuis les États-Unis, là où vous vivez? Donc c'est énorme. Si je dis que je viens du Mans, pour les gens de la course, ils savent où c'est. Et c'est le Mans, c'est même pour les mécaniciens qui l'ont jamais fait, ils aimeraient le faire. Et pour eux, donc la NASCAR qui est vraiment très américain, de venir ici, c'est tout à fait différent. Et ils sont vraiment contents d'être ici, quoi. C'est quelque chose qu'il faut faire, quoi. Ouais. Merci Fanny Angelo pour toutes ces précisions. Bonne course à vous.